Ancient texts, cryptic numbers, symbolic imagery depicting awesome apocalyptic events. For many, the Bible and its prophecies seem shrouded in mystery. Words like Armageddon and tribulation frighten millions, while others wonder how to avoid the mark of the beast or being left behind when the Lord returns. Can we understand the Bible? Yes. And Jesus holds your key to unlock a future without fear. Join us now as Amazing Facts presents The Prophecy Code with Doug Batchelor. Today's study, The Dragon's Egg. Bonsoir, chers amis, si vous nous rejoignez des États-Unis ou de quelque part ailleurs, nous vous souhaitons la bienvenue. C'est vraiment quelque chose de réel, le code prophétique. Et je voudrais vous dire que si vous êtes avec nous pour la première fois, d'aller vers notre site prophecycode.org et vous pouvez poser des questions et vous pouvez avoir également des résumés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et ainsi nous serons ce qui se passe de votre côté. Si vous êtes dans une église, dans un auditorium, quelque part, dans un gymnase, eh bien, envoyez-nous des images sur ce site et nous serions heureux de pouvoir les montrer ici sur nos écrans. Et c'est très agréable de savoir ce qui se passe dans les différents sites soir après soir. Nous voulons vous encourager tous à inviter vos amis et vos voisins à incliner leur tête maintenant alors que nous demandons la présence du Seigneur d'être avec nous ce soir. Prions. Père Céleste, celui qui connaît le passé, le présent et le futur, nous te demandons d'être avec nous ce soir. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons faire quoi que ce soit. Même la sagesse des hommes, Père, n'est que folie à tes yeux. Et nous demandons que ton Saint-Esprit soit dans ce lieu ce soir et que nous puissions, chacun d'entre nous qui sommes ici ou quelque part dans un des sites, que nous puissions sentir ta présence, que nos esprits soient ouverts et que nous puissions nous laisser conduire par ton esprit, que tu sois glorifié alors que nous nous préparons pour ton retour. Nous le prions au nom de Jésus. Amen. Mais, amis, pourquoi est-ce que vous ne vous levez pas ce soir, alors que nous allons chanter notre chant thème? Et je voudrais également saluer tout le monde francophone de la part de votre serviteur, José Élisée. Un bonjour spécial à nos amis du Québec. Jesus will come on time. Yes, he will come on time. Doubters may talk as scoffers mock, babbling without rhyme or reason. His promises are true. He will remember you. The clock of prophecy will chime. Up Jacob's ladder we will climb, in brilliant glory so sublime. Our God will come on time, yes, Jesus will come on time. And while you're being seated, greet your neighbor, smile, and tell them good to see you. Tournez-vous vers votre voisin, souriez, et puis dites-leur que vous avez du plaisir à les rencontrer. Saluez-vous les uns les autres. And now while you're seated, join me tonight. Alors, vous allez vous asseoir maintenant. Eh bien, joignez-vous à moi pour saluer l'arrivée du pasteur Doug Batchelor, le présentateur des émissions Amazing Facts. Bonsoir, John, et merci. Bonsoir. Alors, nous sommes à notre vitesse de croisière. Nous sommes à la troisième rencontre parlant du code prophétique. Et cela va révolutionner votre vie. Je voudrais dire bonjour à nos amis qui sont dans le monde entier et qui nous regardent. John et moi, nous aimerions être en relation avec vous, avoir une synergie avec vous, savoir qui est là. Vous pouvez nous voir, mais nous aimerions vous voir également. Alors, ceux d'entre vous qui techniquement peuvent prendre des photos digitales et vous faites un grand coucou à nous. Et vous pouvez envoyer cela par Internet, regardez sur et quand on vous verra sur l'écran, eh bien, on pourra vous faire coucou nous aussi. Il y a 1900 places
simplement en or, en Amérique du Nord. Et nous ne sommes pas en train de compter les gens qui nous regardent, par exemple, sur Internet. Et Hope Channel, 3BN, qui retransmettent cela en Amérique du Sud également, c'est retransmis, et d'autres le font de manière indépendante. C'est absolument extraordinaire de savoir que beaucoup de monde sont là. J'espère que vous êtes en train de prier pour moi, vous savez. Quand je me dis, ça ne vous rendrait pas nerveux, vous, de savoir qu'il y a tant de personnes qui vous regardent, alors j'ai besoin de vos prières. Mais nous vous aimerions également répondre à vos questions. Ce que nous faisons lorsque les questions arrivent, vous les envoyez par email à prophecy.com. Nous essayons de prendre quelques-unes de ces questions. Beaucoup de questions viennent sur le même sujet, alors nous essayons de répondre autant que possible aux questions, et je voudrais que la merveilleuse Madame Batchelor vienne pour ouvrir avec nous cette clé et nous permettre de répondre à ces questions. Vous savez, il y a quelques minutes avant de monter sur cette estrade, eh bien, mon épouse m'a lu ces questions. Alors, on va juste regarder ces questions. Bonsoir, Madame Batchelor. Est-ce que c'est toi qui m'as acheté ce costume? Tu sais, juste avant que je l'attache, je me suis rendu compte que, est-ce que c'est un costume croisé? Ou bien est-ce que... Enfin, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. Bon, très bien. C'était un jour magnifique aujourd'hui. La première question est celle-ci. Est-ce que la prophétie biblique concerne les États-Unis d'Amérique? C'est une des questions où nous allons répondre en disant un peu de patience parce que nous avons une soirée où nous allons aborder ce sujet spécifiquement. Et ça ne devrait pas vous surprendre lorsque vous considérez l'impact incroyable que les États-Unis ont actuellement sur le monde. Comment est-ce qu'il est sorti d'une petite colonie à une puissance mondiale extraordinaire de nos jours? J'ai appris dans le livre, j'ai connu l'amour de Jésus à travers la Bible, Satan est vivant et présent sur la terre. Actuellement, Al Lindsay a reconnu publiquement qu'il avait écrit du faux matériel et je l'ai entendu de mes propres oreilles. Je prie à ce que cela n'ait pas de répercussions. Je ne m'attends pas à ce que Al Lindsay dise quelque chose de plus sur ce sujet, mais c'est une excellente opportunité d'expliquer la différence entre le vrai et le faux. Vous savez, je ne remets pas en question la sincérité de quelqu'un lorsqu'il est en recherche. Vous savez, les disciples ont cru en Jésus et ils se sont trompés. Étaient-ils sincères? Est-ce qu'ils se sont trompés sur leur interprétation de la prophétie, sur la première venue de Jésus? Est-ce que cela fait de moins bons chrétiens parce qu'ils n'avaient pas la bonne interprétation? Vous savez, ils ont été très, très découragés. Jésus a dit que ça allait se passer. Ils le savaient et pourtant, ils se sont découragés. Cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas de bons chrétiens. Alors, vous savez, il y a des gens qui auront une mauvaise interprétation de la prophétie biblique, mais cela ne signifie pas que ce sont de mauvais chrétiens pour autant. Vous savez, ils ont mal compris les prophéties par rapport à Jésus. Jésus leur dit, je vais être à Jérusalem, je serai trahi, je serai crucifié, je vais me ressusciter le troisième jour. Vous savez, ils ne l'ont pas enregistré, en fait. Quels sont les textes bibliques qui soutiennent le fait que le peuple de Dieu va passer par la tribulation avant l'enlèvement? Eh bien, acte 14, verset 22, Paul dit, Vous savez, je vais vous dire une chose, si vous commencez, je n'ai pas la mémoire des textes, où est-ce qu'ils se trouvent. Si vous demandez les versets et les chapitres, je ne les connais pas. Mais si vous commencez un verset, je saurai toujours le terminer. C'est à travers la tribulation que nous entrerons dans le royaume de Dieu, dit Paul, et dans Matthieu 24, verset 9, Jésus dit, je crois que j'ai écrit ce verset-là, ensuite, vous serez délivré de la tribulation. Vous serez livré à la tribulation et ils vous mettront à mort et ils vous haïront et vous serez haï par toutes les nations et à cause de mon nom. Et cela avant que la tribulation ait lieu. Vous savez, il y a un livre que j'ai écrit et qui a pour titre Tout sauf quelque chose de secret.
Et si vous allez sur le site web, vous allez trouver ce livre. Et c'est un livre qui est gratuit sur l'Internet. Et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24, verset 30. Qu'est-ce que ces nuages représentent, ces nuées? Bonne question. Jésus ne vient pas en étant sur une vapeur de H2O ou sur de la vapeur. Mais en fait, il y a une multitude de créatures qui l'accompagnent. Vous savez, plusieurs textes parlent d'une nuée d'anges. Et lorsqu'il a quitté cette terre, il est parti avec ses anges, et il reviendra avec ses anges, il viendra avec tous ses saints anges. Lorsque des milliers d'anges sont autour de Jésus, à quoi cela va ressembler? Eh bien, ce sera comme un nuage. Parfois, il est question de chariots de feu, par exemple, par rapport à Élie, mais ce sont toujours des anges qui sont représentés. Et nous serons emportés par ces anges. Ainsi, il arrivera avec des nuages d'anges. Alors, dans Acte 1, il est dit, il reviendra comme il est parti. Je connais le verset, mais je ne me rappelle pas de la référence. Si Dieu est amour, pourquoi a-t-il créé un diable? Ce soir, nous allons répondre à cette question, mais Dieu n'a pas créé un diable. Est-ce que Dieu va sauver les hommes sans qu'ils aient entendu parler de l'Évangile? Il y aura des gens dans Romains chapitre 1, Paul dit qu'ils ont l'Évangile écrit dans leur cœur, et les gens ont le droit de dire oui, et qui n'ont pas eu la possibilité de dire non à l'Évangile, ils seront au ciel. Il y avait beaucoup de lépreux, dit-il, à l'époque d'Élie, dit Jésus, et pourtant, personne n'a été guéri, si ce n'est le Syrien Naaman. Au jour de la famine d'Élie, il n'y a que vers la femme, la veuve, que Élie a été envoyé. Ainsi, il y a des gens qui sont du royaume de Dieu, mais qui ne sont pas de votre peuple, dit-il, au peuple juif de son époque. Ainsi, il sera demandé beaucoup à celui qui aura beaucoup reçu, dit l'Écriture. Nous sommes plus coupables lorsque nous connaissons la volonté de Dieu et que nous ne la mettons pas en pratique. Comment recommandez-vous que je commence à étudier la Bible? Très bonne question. Lorsque j'ai commencé à étudier, c'était la version du roi James. Alors, vous savez, j'étais dans une caverne et il n'y avait personne pour m'expliquer. Lorsque je voyais le mot « brethren », c'est-à-dire « frère » dans la Bible, je croyais qu'il était quelque chose qui voulait dire que tout le monde respirait ensemble, « breathing together ». J'ai commencé à lire la Genèse. Vous savez, lorsque vous lisez le livre de la Genèse, je ne savais pas quel est le pourcentage, mais une grande partie de la Bible est enracinée dans le livre de la Genèse. Lisez la Genèse et vous allez avoir l'arrière-plan de l'histoire de l'humanité. Et ensuite, vous pouvez lire Samuel 1 et 2, Rois 1 et 2. Ça vous donne l'histoire de la Bible. C'est ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous avez les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est ce qui a changé ma vie lorsque j'ai lu les évangiles. Vous savez, quelqu'un dira, étudiez la Bible comme lorsque vous cueillez des pommes. D'abord, vous secouez l'arbre. Ensuite, vous secouez une branche en particulier. Ensuite, vous continuez en allant chercher derrière les feuilles. Eh bien, vous voulez d'abord avoir le grand panorama, et ensuite, vous allez dans le détail. Je pense que le Saint-Esprit vous accompagne. Priez avant de lire sa Bible afin que le Saint-Esprit nous conduise. Dieu nous dit, on se souviendra des paroles qu'il nous a dites, elles nous reviendront lorsque ce sera nécessaire. Et il nous donnera la force de pouvoir les mémoriser. Est-ce que tu connais la référence de ce texte? Oh non, je le suis comme toi.
Gardez présent à l'esprit que la Bible, quelle que soit la traduction que vous avez, Dieu parle toutes les langues de cette terre. Et la raison pour laquelle nous faisons cette rencontre, c'est pour mettre à chacun de comprendre le langage de la Bible. Lorsqu'un bébé entend une langue, il ne comprend pas tout ce que vous êtes en train de dire. Mais plus il vous entend parler, plus il comprend et il finit par parler la langue lui-même. Alors continuez de lire la parole de Dieu et le Seigneur viendra à vous. Plus vous entendrez profondément dans la parole de Dieu, comparez l'écriture à l'écriture, et ensuite vous pouvez utiliser des dictionnaires, etc. Très bien. D'où viennent les différentes races? Très souvent, je reçois cette question. Il y a des gens qui croient que Noé avait trois enfants, que c'était les trois races de base. Ce serait très étrange. Selon la Bible, les races ne sont pas venues de Noé, mais elles sont venues de la tour de Babel. Vous savez, on est tous descendants d'Adam. Qui sont ceux qui ne sont pas descendants d'Adam ici? À partir de Noé, bien sûr, nous sommes tous des descendants de Noé. Lorsque, à la tour de Babel, Dieu a confondu les langages, les hommes se sont répandus sur toute la terre et génétiquement, eh bien, plusieurs tendances se sont développées en fonction de la situation géographique de ces personnes. Pourquoi est-ce que certains chiffres apparaissent si souvent dans la Bible? Vous savez, il y a des significations spirituelles à chiffres. Vous savez, 40 ans dans le désert, le chiffre 7, par exemple, représente un cycle complet, la perfection. 12, c'est le chiffre de l'Église et pour la direction de l'Église. Apocalypse chapitre 12, une femme avec 12 étoiles sur sa tête, et bien la ville avec 12 portes, avec 12 portes, etc. 144. 1000, c'est 12 fois 12, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez, ce sont des chiffres. Vous savez, certaines personnes ont dit qu'ils ont eu la peine à trouver le site que nous avons proposé pour les clés. Eh bien, on va vérifier cela et mettre de l'ordre dans cette affaire-là. Apocalypse 3, verset 21. À celui qui vaincra, je lui donnerai une place avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Qu'est-ce que Jésus signifie lorsqu'il dit que ceux qui vaincront s'assieront avec lui sur son trône? Apocalypse chapitre 20 nous apprend que les rachetés régneront et vivront avec Christ. Nous avons une étude sur Apocalypse 20 et 21 qui parle avec le ciel, qui parle du ciel. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup ce soir, mais le fait que Dieu lui-même va mettre la capitale de l'univers sur la terre, sur notre planète, la nouvelle Jérusalem, où il est dit que Dieu sera avec nous. En fait, nous allons vivre dans la cité avec Dieu lui-même et nous règnerons avec lui. Et les trônes ici signifient la direction, le leadership. Il n'y aura pas un trône où nous serons assis chacun. Que sont les 144 000 et les deux témoins qui vont être mis à mort? Allez, on me fait signe que je n'ai pas beaucoup de temps pour ça. Nous avons une étude qui va parler du temple de Jérusalem et du sanctuaire. Et il y a beaucoup de confusion par rapport à Israël. Gardez présent à l'esprit lorsque je partage cela avec vous que je viens d'un arrière-plan juif. Je crois que c'est une erreur de penser que les 144 000 que nous avons dans Apocalypse 7 et 14 sont 12 000 des tribus littérales d'Israël. Il y a peut-être littéralement des juifs dedans, mais il est question de ces 12 tribus. Si vous connaissez votre Bible, vous savez qu'avant que Jésus soit années, ces tribus ont été emmenées par les Assyriens et ils ont pratiquement disparu. Ainsi, ceux qui sont en train d'attendre devoir 12 000 juifs pure laine de chaque tribu sont en train de se tromper.
La Bible nous dit que si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Il n'est pas... celui qui est juif n'est pas celui qui est juif extérieurement, mais celui qui l'est intérieurement. Nous sommes une nation spirituelle. Ils viendront de l'Est et de l'Ouest, dit Jésus, et ils seront assis dans, dans mon royaume, tandis que vous serez mis dehors, dit-il au peuple juif. La circoncision n'est pas celui de la chair, mais de celui de l'âme. Et il y a un peuple spirituel. Or, le Seigneur a un plan pour le peuple juif. Je crois cela, qu'il y a quelque chose pour lui, pour eux, dans ce peuple. Mais les 144 000, lorsque vous regardez les fils de Jacob, il y avait les mêmes caractéristiques que ils ont des personnalités différentes, mais ils ressemblent beaucoup aux 12 apôtres. Ils représentent les peuples que Dieu va amener de différents arrière-plans vers son Église. Sur la poitrine du prêtre, il y avait un éphod. Et il y avait 12 pierres précieuses. Et chacune de ces pierres était différente. Aucune ne se ressemblait à l'autre. L'Église de Dieu est faite d'une très grande diversité de gens de tout arrière-plan. Et j'ai écrit un livre sur le 144 000, mais je ne pense pas que je vais me lancer dedans. Il y avait une deuxième question, il me semble. OK. Ah oui, tu m'as dit, il y a 144 000 et l'autre. Ah oui, quels sont les deux témoins qui ont été tués? Ça va venir, on va en parler. Alors, je crois maintenant que c'est le moment de la musique. Alors, n'oubliez pas, si vous avez des questions sur le sujet de ce soir ou sur n'importe quel sujet de la Bible, on va essayer de répondre à toutes vos questions. Envoyez-nous vos emails à prophétie.com. Nous sommes heureux d'avoir John avec nous. Et vous savez, pendant les deux derniers soirs, nous n'avons pas parlé de notre pianiste, mais nous nous excusons auprès de son mari, et elle vient de Sacramento, en Californie, et nous sommes très heureux de l'accueillir comme pianiste ce soir. John va chanter les paroles merveilleuses de la vie. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinners list to the loving call, wonderful words of life. All so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, they are wonderful words of life. Redeemed how I love to proclaim it, redeemed by the blood of the Lamb, redeemed through His infinite mercy, His child and forever I am. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb, redeemed, redeemed, His child and forever I am. Amen. Amen. John and Arlene. By the way, Arlene is one of the... Merci, John. Merci à notre pianiste. Ils sont venus de Sacramento et nous sommes heureux qu'ils soient avec nous ici à Washington. Bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes heureux de pouvoir utiliser les études qui vous sont proposées, ces leçons qui vont avec notre étude de ce soir et qui nous parlent. Est-ce que Dieu a créé le diable? Le titre de ce soir, c'est « L'œuf du dragon ».
Mais bien sûr, on peut se demander de quoi nous allons parler. Qui est le dragon dans le livre de l'Apocalypse? Le dragon, c'est Satan. Vous savez, les gens posent la question, est-ce que Dieu a créé un démon? Pourquoi est-ce qu'il a créé Satan? Et beaucoup de gens aiment savoir d'où viendrait ce dragon. Alors on pourrait faire un parallèle avec la question, qu'est-ce qui est venu avant, l'œuf ou la poule? Et souvent, on peut se poser la question, et c'est très difficile d'y répondre. Comment est-ce que les premiers microbes ont existé? Vous savez, il y a une quantité de maladies. Où cette mutation qui a commencé, qu'est-ce qui a provoqué cette première mutation? Et vous savez, la Bible parle d'un certain nombre de mystères, et il parle également du mystère de l'iniquité. Et il y a certains des mystères, comment est-ce que le mal a trouvé son origine? Le mystère de l'iniquité est le mystère de la divinité, dont nous parlerons un autre soir. J'ai un des amis, de mes amis qui a voyagé dans le monde, et c'est un artiste, et il a remarqué que pratiquement toutes les cultures du monde ont des serpents volants. Vous pouvez, vous savez, là actuellement nous sommes traduits en Chine, en chinois. Eh bien, en Chine, vous allez trouver des serpents volants, vous allez trouver ça également en Amérique du Sud, chez les aborigènes également, vous allez trouver cela. Mais il faut dire qu'en Australie, par exemple, chez les aborigènes, ils ont certains lézards qui ont des ailes, et certains serpents qui, aujourd'hui, glissent en quelque sorte, flottent, où ils arrivent à pratiquement voler, à glisser sur l'air, et on semblerait même qu'il ait pu y avoir des serpents volants à certains moments. Là, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour passer mon image suivante. Ok, merci beaucoup. Voilà. Nous savons que de l'archéologie, par exemple, il y avait ces reptiles volants, par exemple, comme le ptérosaure, qui était une espèce de lézard ailé, l'archéoptrix, etc. Et encore aujourd'hui, lorsque on regarde ces bêtes, eh bien, quand on regarde, par exemple, le serpent, on a l'impression qu'il reste comme des germes de pattes au serpent. Alors, on ne sait pas très bien si ce sont des pousses de pattes. Et certains se sont demandé, est-ce que ça ne serait pas aussi la preuve qu'il y avait des ailes à l'origine au serpent, car il est... Savoir que les serpents vivent dans les arbres, dans l'eau, sur le sol, mais pouvaient-ils voler? Ça, on peut se poser la question à ce sujet. Vous savez, les histoires de dragons qui volent ne sont pas simplement des mythes, mais peut-être sont-ils des éléments qui sont enracinés dans le subconscient des hommes à une époque où ils existaient. Question numéro 1. Avec qui le serpent a-t-il trouvé son origine? On va voir un certain nombre de textes bibliques ce soir et j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Dans Jean chapitre 3, 1 Jean 3 verset 8, il est dit, le diable pêche dès le commencement. Où est-ce que le péché a commencé? Avec le péché. Si vous le mettez avec la lettre D, si vous enlevez cette lettre D en anglais, ça fait evil, qui veut dire le mal. Vous allez également remarquer, dans toutes les religions du monde, on reconnaît qu'il y a une bataille titanesque entre la puissance du bien et du mal, la puissance de la lumière et des ténèbres. Il y a un certain nombre de titres que l'on donne à cela, mais tout le monde peut se rendre compte qu'il y a de bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes également, et ce n'est pas simplement un environnement ou un comportement acquis. Bien fois, on se rend compte que il y a des jeunes, par exemple, qui sont des actes qui font des actes de bonté extraordinaires, mais qui sont capables aussi d'actes de gentillesse extraordinaire. L'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, nous parle du serpent qui fut précipité sur la terre, ce serpent appelé le diable et Satan. C'est lui, le dragon. À Londres.
London Bridge se trouve en Arizona. Ne croyez pas que tout ce qui porte un nom est forcément quelque chose qui a une signification. Pourquoi est-ce que nous devrions, dans notre étude de la prophétie, avoir une étude sur le diable? Vous savez, parce que dans pratiquement chaque livre prophétique de la Bible, il y a cette bataille, qu'il y a cette controverse entre ces deux forces. Les deux premiers caractères que vous trouvez dans le livre de l'Apocalypse, les deux personnages, c'est l'agneau et le dragon, le bien et le mal, l'obscurité et la lumière, la vérité et le mensonge. Champion de boxe, si un boxeur s'assoit et étudie la tactique de son ennemi, eh bien, vous pouvez être sûr qu'ils vont regarder des matchs où se sont battus leurs adversaires. Ils vont apprendre leur tactique, ils vont apprendre quels sont leurs trucs, de manière à pouvoir, lorsqu'ils vont se battre contre eux, savoir comment s'y prendre. Vous voyez, c'est la même manière que l'ennemi agit envers nous. Il fonctionne selon certains principes, selon certains trucs, selon certaines tactiques. Et il est important que nous puissions le découvrir. Vous savez, il y a des gens qui, par exemple, sont pris dans le spiritisme, etc., qui viennent me voir. Moi, à votre place, je serais très, très prudent par rapport à ce genre de choses. Si quelqu'un dit, ben voilà, on va faire de l'exorcisme, ou bien on va jouer les cartes, etc. Vous savez, il y a des gens qui, par exemple, ont même des ministères et qui sont des gens qui viennent vers vous en vous disant, écoutez, on va vous sacher le démon, vous avez le démon en vous, etc., etc. Vous savez, est-ce que vous avez vu Jésus dans la Bible chercher des gens pour chasser les démons chez eux? Non, Jésus s'est trouvé à certains moments face à des gens qui étaient pris par le démon, mais Jésus ne leur courait pas après. Et quand ils étaient là, en face de lui, alors il guérissait ces personnes-là. Vous savez, il y a des gens qui sont aussi attaqués par le démon, et je crois, parce que j'ai vu que le démon existe et qu'il y a des cas de possession. Et on pense parfois que c'est de la psychologie, mais en fait, on n'ose pas parler de la vérité. Il s'agit bien souvent de possession. Vous savez, il y a certains cas qui sont des cas médicaux, mais la parole de Dieu nous dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Et je peux vous dire que même Jésus avait un Judas dans ses 12 disciples. Alors, il y a une bataille autour de nous. Il est très approprié ce soir que nous prenions le temps de comprendre ce sujet, n'est-ce pas? Très bien. Deuxième question. Quel était le nom de Satan avant le péché, avant qu'il pêche, et où vivait-il à cette époque? La réponse, Ésaïe chapitre 14, verset 12. Vous avez beaucoup d'informations dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, vous avez beaucoup de réponses. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Lucifer n'est pas un mauvais nom, c'est le porteur de lumière, ça signifie porteur de lumière. Vous avez vu le mot luminescence, par exemple, et tout cela a pour origine le terme de lumière. Un jour, vous savez, je lavais mes propres vêtements. Je suis très heureux qu'il y ait une machine à laver et un séchoir, et ma femme lave le linge, et je remercie le Seigneur pour cela. Eh bien voilà, j'étais en train de laver mon propre linge, et un jour j'ai rencontré quelqu'un comme ça dans un laundry, et je lui ai demandé quel est votre nom. Il m'a dit, mais mon nom c'est Lucifer. Je me suis dit, mais comment est-ce que vos parents vous ont appelé Lucifer? Mais il était très sérieux. Alors je suppose que vous n'allez pas à l'église, lui ai-je dit. Bon, vous savez, je n'appellerai pas mon fils comme ça. C'était un nom bon, c'est devenu Satan par la suite. Le Satan signifie l'adversaire, l'accusateur. Question numéro 3. Quelle était l'origine de Lucifer? Quelle position de responsabilité avait-il? Et comment la Bible le décrit?
Vous pouvez lire dans Ézéchiel chapitre 28, verset 15, « Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. » Il était quoi? Il était parfait, créé parfait. Le Satan n'est pas né Satan, c'est un ange qui a été créé. Dans Genèse chapitre 6, on parle des fils de Dieu qui ont pris les filles des hommes. Et les gens se demandent, est-ce que c'était des démons qui ont eu des relations avec des femmes? Il y a cette question. La Bible ne dit pas que les anges procréent. La Bible dit qu'ils sont créés, les anges ne se marient pas entre eux, et le démon a été créé, Lucifer a été créé, est-ce qu'il avait des défauts? Non. La Bible dit dans Ézéchiel 28, « Tu étais le chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. » Certains d'entre vous ont vu des images de chérubins. Vous savez, ces chérubins, de l'arche, par exemple, de l'Alliance, où il y a des chérubins. C'est une représentation du trône de Dieu dans le ciel, où il y a des anges réels qui sont à côté du trône de Dieu. Est-ce que vous avez lu dans Ésaïe, chapitre 6, la conversion d'Ésaïe lorsqu'il a eu la vision du ciel et qu'il a vu ses anges à côté du trône de Dieu? Et que font-ils? Ce sont des séraphins. Et ces deux anges disent en permanence « Saint, Saint, Saint et l'Éternel ». Lucifer avait l'une de ces positions, la position la plus importante parmi les créatures de Dieu. Et certains ont spéculé, est-ce que c'était Gabriel? Probablement, Gabriel avait l'autre position. C'est l'ange du Seigneur qui s'appelle Gabriel. Il était parfait lorsque Dieu a créé Lucifer beau. Et alors que je suis sur ce sujet, probablement, je devrais éliminer certains mythes. Vous me faites confiance? Ok, je ne vais pas tricher. Lorsque je dis, prenez l'image du diable. Quelles sont les images que nous avons du diable? Allez. Combien d'entre vous ont vu du rouge dans l'image? Lorsque vous fermez les yeux et que vous voyez l'image de Satan, c'est typique de la représentation du diable. Vous savez, il va avoir des ailes sombres, il va avoir des griffes. Je ne sais pas s'il fait du trapèze. En tout cas, alors il y a une peinture rouge du diable. Qu'est-ce qu'il a derrière son dos? Il a une fourche dans sa main, il a une queue. Et on pense qu'il est en charge de... et il a cette pique à la main pour être sûr que les méchants soient bien cuits de chaque côté. Vous savez, nous avons ces mythes, ces concepts mythiques du diable, et tout cela nous vient du Moyen-Âge. En fait, il y avait un dieu grec. Vous avez entendu de la maison du diable. Ça vient de la mythologie grecque. Et ce sont des concepts corrompus que nous avons mélangé les concepts des mythes grecs, de la mythologie grecque avec la Bible. En réalité, le diable n'est pas comme cela. En fait, c'est une très belle créature. Alors, qu'est-ce qui a amené la chute de Lucifer? Qu'est-ce qui a fait qu'il a péché? Eh bien, vous pouvez lire dans Ézéchiel chapitre 28 et verset 17, « Ton cœur s'est élevé à cause de quoi? De ta beauté. » Il était absolument extraordinaire, frappant, une créature merveilleuse. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Vous savez, la beauté peut être une bénédiction, mais ça peut être aussi une malédiction. Et même la Bible reconnaît cela. Et Salomon dit qu'une belle femme sans discrétion est comme une dentelle sur le nez d'un porc. That's true, isn't that right? Yeah.
Il y a peu de personnes qui sont exceptionnellement beaux. Vous savez, ils ont les bons gènes et ils ont tout là où il faut. Alors, on multiplie leur image sur tous les magazines de manière à ce que tout le monde puisse se sentir sécurisé par leur image. Et même si vous interviewiez ces modèles absolument extraordinaires, ils sont très, très insécures par rapport à leur propre apparence. Un jour, vous savez, un chrétien, chaque chrétien devrait être beau à l'intérieur. Vous savez, il n'y a que 4 catégories de personnes. Les personnes qui sont moches, vous savez, ils peuvent être moches à l'extérieur, mais beaux à l'intérieur. Ils ont de bonnes dispositions, ce sont des gens bien intérieurement, ils ont le sourire facile. Ensuite, vous avez des gens qui sont beaux, moches. Ce sont les personnes qui sont beaux à l'extérieur, mais ils ont de mauvaises tendances à l'intérieur. Ce sont des personnes désagréables, acariâtes, etc. Et vous savez, elles sont belles à regarder, mais on ne les épouserait jamais parce que ensuite, vous avez les personnes qui sont très rares, mais qui sont beaux, c'est-à-dire non seulement attirants extérieurement, mais qui sont humbles, qui sont gentils, qui ne sont pas pleins d'eux-mêmes, et qui sont des gens extrêmement, et personne ne voudrait être dans la 4e catégorie. Ce sont les moches. Il n'y a pas d'excuse à cela. Très bien. Alors, nous continuons de lecture. Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Tu disais dans ton cœur, je serai semblable au Très-Haut. Quelle était sa position? Vous savez, il était dans une position extraordinaire, mais il a voulu se mettre à la position de Dieu. C'est inconcevable pour nous. Comment est-ce qu'une créature a voulu dépasser le Créateur? Et il a commencé à circuler, vous savez, comme une sorte de politicien là, parmi les anges, en disant, vous savez, Dieu a une loi là qu'il faudrait qu'on suive. Mais vous savez, on n'est pas obligé de suivre cette loi. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas nous-mêmes notre propre habileté, notre capacité de créer? Nous pourrions imaginer simplement si nous pouvions. Et il a commencé à glisser une sorte de mécontentement chez les uns et les autres. Il y a 7 choses que Dieu est, la chose qu'il est le plus, celui qui va créer une sorte de querelle, ceux qui sèment la zizanie entre les uns et les autres. Et Satan était un maître en cela. Il était si plein de lui-même que, et vous savez que l'orgueil est pratiquement à la base de tout autre péché, et il était jaloux de l'adoration qui était celle de Dieu. Et lorsque les anges étaient là pour dire « Saint, Saint, Saint » à l'Éternel, et qu'ils adoraient Dieu et qu'ils se prosternaient devant lui, Satan disait « Oh, je suis beau comme je suis, est-ce que je serais besoin, obligé moi aussi de faire cela ?» Comment est-ce qu'il pouvait penser cela? Je ne peux pas le savoir, mais vous pouvez comprendre que cet orgueil et la puissance, vous savez, peut corrompre également. Et lorsque la beauté nous monte à la tête, l'orgueil nous monte à la tête, ça peut nous détruire. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à ce que Lucifer a été tellement capable, et il était tellement malin. Dieu, se battant contre cela, ne pouvait utiliser que la vérité. Le diable pouvait utiliser la vérité et l'erreur, mais Dieu ne pouvait pas faire autrement. Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas utiliser autre chose que la vérité. Et ainsi, Lucifer, certains d'entre vous pensent, mais pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas simplement claqué des doigts, et là, on en est clair, il allait disparaître, pouf, c'est terminé. C'est un défaut d'origine, ça existe dans les usines, hein, et puis on recommence. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas simplement vaporisé Lucifer lorsqu'il est devenu Satan?
Et Dieu est patient, n'est-ce pas? S'il n'était pas patient, nous ne serions pas là, n'est-ce pas? L'autre raison, c'est que Dieu ne désire pas que ces créatures intelligentes le servent par peur. Et après que Lucifer a commencé à semer sa zizanie dans le gouvernement de Dieu, si Dieu avait dit « pssst » en le détruisant, eh bien, Dieu pouvait le faire. Dieu, il est Dieu, il aurait pu le détruire dans un instant. Les autres anges auraient dit « Oh, on a intérêt à se tenir à carreau. Je me demande vraiment si on aurait pas intérêt à le... » Vous voyez le danger. Il fallait que Dieu laisse la possibilité à Lucifer d'aller jusqu'au bout de son comportement, de manière à ce que ça ne puisse plus se reproduire dans l'univers à nouveau. Je ne dirai pas plus à ce propos ce soir. Vous êtes peut-être en train de penser, Dieu sait toutes choses. Est-ce que Dieu sait toutes choses? Lorsque Dieu a créé Lucifer, il savait qu'il allait pécher. Et pourtant, il l'a créé malgré tout. Quelque part dans son DNA, je ne sais pas s'il a du DNA, Satan, mais quelque part dans ses transistors, enfin, je ne sais pas ce que c'est, ce de quoi il est fait, Dieu a fait quelque chose, a fait une erreur quelque part. On a envie de dire cela. Tout don parfait vient de Dieu, nous dit la Bible dans l'épître de Jacques. Dieu ne fait pas des erreurs. Il y a un risque dans l'amour. Dieu désire nous aimer. Et Dieu attend notre amour. Et je réponds à cette question en répondant à une question. Vous, là, les parents, levez la main, ceux qui sont des parents dans la salle. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'avoir des enfants? Je me suis posé cette question souvent, vous devez vous dire. Pourquoi avais-je de telles illusions? Oh, vous savez, quand je vois des jeunes couples, « Ah, nous allons avoir un bébé !» Vous savez, souvent, mes enfants disent, « On aimerait bien avoir un petit chien. » Ben oui, on voudrait bien avoir un petit chien, mais il ne reste pas un petit chien, il grossit, il grandit. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi d'avoir des enfants? Est-ce que vous avez pris un risque? Est-ce que vous aviez une garantie du docteur que votre enfant va être gentil, obéissant, va être un enfant agréable, un enfant extraordinaire? Non! Combien d'entre vous savez qu'il y avait des risques qu'il désobéisse un jour? Alors, pourquoi vous avez pris le risque? L'amour prend des risques. Lorsque vous êtes marié, est-ce que vous avez une garantie que votre femme serait une femme merveilleuse? Et pourtant, vous êtes marié. Est-ce que l'amour prend des risques? Parce que Dieu nous a fait avec un libre arbitre, il a pris un risque. Je voudrais illustrer cela d'une certaine manière. Alors, donnez-moi ici un élément. Là, vous savez, j'ai tellement de trucs dans la main et je ne me retrouve plus là. Ah! Le diable a quelque chose. Là. Vous savez, chaque fois que je fais cette présentation, il y a quelque chose qui se produit. Alors, ici, j'ai une petite illustration. Là, vous savez, parfois, ça peut nous aider s'il y a une... Alors, donnez-moi quelques secondes. Bonsoir, tape player. Comment vas-tu ce soir? Je suis très bien. Et toi? Très bien, je vais bien. J'ai de bonnes batteries, là, aujourd'hui. Doc, je voudrais te dire quelque chose. Oui, j'écoute. Je voudrais te dire quelque chose d'extraordinaire, que tu es vraiment quelqu'un de formidable. Oh, je voudrais te louer, Doug. Tu es vraiment formidable, tu es extraordinaire. Oh, qu'est-ce que tu es merveilleux, tu es si bon, si gentil, et vraiment extraordinaire, et vraiment sympathique, et très beau. Et... je t'aime. Est-ce que tu veux être mon partenaire? Oh, je t'aime, Doug. Tu es si merveilleux, je t'aime. Depuis du fond de mes transistors, je t'aime. Oh, je t'aime, Doug, je t'aime, Doug, tu es extraordinaire. Oh, je t'aime, Doug, tu es vraiment formidable. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ma femme me l'a dit aujourd'hui. Ah, est-ce que je me sens mieux parce que Transistor m'a dit qu'il m'aimait? Pourquoi est-ce que je ne suis pas heureux? Vous savez, si ça marchait, il suffirait qu'on vende des cassettes comme ça. Est-ce que vous pouvez créer un bâtiment, un être intelligent qui dit « Je t'aime Dieu, je t'aime Dieu, je t'aime Dieu » Est-ce que c'est de l'amour, cela?
Dieu ne nous force pas à l'aimer. Il nous a fait, avec un libre arbitre, l'une des choses, des démonstrations les plus grandes de l'amour de Dieu pour nous, c'est qu'il a pris le risque de créer une créature qui pouvait ne pas l'aimer. Et nous avons pris ce risque aussi, n'est-ce pas? Et c'est un principe très important. Lorsque vous avez compris cela, vous comprenez la bataille entre le bien et le mal. Et pourquoi est-ce que le mal est devenu si impossible dans le ciel? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel comme conséquence de la rébellion de Lucifer? La réponse, Apocalypse 12, verset 7, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Et le dragon aussi a des anges? Il a réussi à persuader un tiers des anges lorsque le dragon a été jeté du ciel. Un tiers des étoiles du ciel l'ont suivi. Quel est le symbole de l'étoile dans l'Apocalypse? Ce sont des anges. Dans Apocalypse chapitre 1, vous trouvez cela. Ainsi, lorsque Satan a été jeté hors du ciel, je ne sais pas quels sont les types d'armes qu'ils utilisent. Je sais qu'ils sont puissants. Ça a été une bataille terrible entre Michel et ses anges, d'un côté, le dragon et ses anges, de l'autre. Si nous pouvons faire des armes nucléaires, alors on peut se demander quel était ce type de guerre qu'il y a eu dans le ciel. En tout cas, Satan et ses anges ont été évincés du ciel, de l'habitation de Dieu. Où sont-ils allés? Question numéro 6. Où se trouve le headquarter de Satan aujourd'hui? Où se trouve son siège? Eh bien, Apocalypse 12, verset 4. Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait où? Sur la terre. Où est-ce que Satan a établi ses quartiers généraux aujourd'hui? Il a été précipité sur la terre et ses anges ont été précipités avec lui. Certains d'entre vous ont lu le livre de Job et le Seigneur dit au diable lorsque lorsque l'ennemi vient vers lui, peut-être vient-il jusqu'à la porte du ciel et le Dieu dit à Satan, d'où viens-tu Satan? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. J'essaie d'imaginer Satan, il va ça et là comme un lion rugissant, nous dit la parole de Dieu. Vous savez, le diable aujourd'hui sait qu'il a élu domicile sur la terre et il est venu vers vous, dit la parole de Dieu. Il a ses quartiers généraux ici au milieu de nous. Vous savez, il a un condominium ici dans les cavernes de la terre quelque part. Non, la Bible ne dit pas que ça se passe comme ça. Il n'est pas au milieu de la terre. Vous savez, il marche sur la terre et il se mélange aux êtres humains sur la terre. Et la plupart d'entre nous, lorsque nous disons que le diable a fait cela, le diable peut vous faire quelque chose. Il faut une collaboration de votre part pour que le diable fasse quelque chose. Bien souvent, il agit à travers ses anges déchus. On les appelle les démons. Et il y a certains moments où Satan lui-même se lance dans la bataille. Et vous pouvez savoir que, par exemple, lorsque Jésus se trouvait sur la croix, eh bien, Satan était là. Numéro 7. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, quelle est la chose qu'il leur a interdite de faire? Et là, nous entrons maintenant dans la scène principale de l'humanité, Genèse chapitre 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre ou de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu ne va pas permettre à Satan de disséminer sa rébellion librement dans le cosmos. Lucifer disait, c'est pas juste que tu ne me permettes pas de partager avec les autres ce que je crois. Dieu croit dans la liberté de parole, n'est-ce pas? Et il a dit, d'accord, si tu peux tenter mes créatures, d'accord, mais tu ne peux les tenter qu'à travers cet arbre. Et Adam et Ève, dit-il, ne mangez pas de cet arbre. Un test tout simple. Et Dieu dit, si vous désobéissez, vous allez mourir. Dieu voulait que l'homme et la femme vivent éternellement. Vous savez, si vous voulez savoir quel est le plan de Dieu, Genèse chapitre 1 et 2, et la Bible dit que tout était beau, tout était très bien. Et Dieu voulait que nous vivions dans un paradis qui soit au-delà de notre compréhension. Il désire ça pour nous. Mais en tout cas, de la Genèse à l'Apocalypse, l'homme a perdu le jardin dans Genèse chapitre 3.
Et c'est le paradis perdu. Et les trois derniers chapitres de l'Apocalypse nous parlent du paradis retrouvé. Dans les premiers chapitres, l'homme n'a plus eu accès à l'arbre de vie. Dans les trois derniers chapitres, il est question de l'arbre de vie que nous mangerons régulièrement. En fait, Dieu désire que nous revenions à ce jardin, n'est-ce pas? Dieu désire que nous marchions. Il me parle et il marche avec moi. Question suivante. Quel médium Satan a-t-il utilisé pour tenter Ève et quel mensonge Satan lui a dit? Genèse, chapitre 3, verset 1er. Ah, qui le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait? Et il dit à la femme, alors pour mes amis qui sont en train d'écouter, les images que vous voyez sur l'écran sont simplement des concepts. Ne prenez pas sérieusement ces images-là. Vous comprenez cela? Est-ce que nous avons des photos du jardin d'Éden? Ah, quand on sera au ciel, je vous en montrerai. Nous avons des conceptions artistiques, tout simplement. Vous savez, le lac de feu, je ne sais pas non plus où il se trouve, je ne peux pas le photographier. Alors, ne prenez pas ces images très sérieusement. C'est simplement un support audiovisuel. Nous sommes en Amérique du Nord, alors on a besoin de ces images pour essayer de... Alors voilà, je voulais dire cela. Alors, cette image que vous avez ici, alors peut-être Satan avait-il des ailes comme cela, je n'en sais rien. En tout cas, Satan va utiliser Satan comme un médium. Et vous savez, même Salomon dit que l'un des mystères du monde, c'est la manière dont le serpent avance. Vous savez, parfois il peut hypnotiser sa proie. Vous savez, ce sont des animaux à sang froid. Et vous savez, quand j'étais dans la montagne, il m'arrivait d'attraper les serpents. En passant, lorsque Moïse a levé le serpent sur un bâton et Jésus dit c'était un signe de sa victoire sur le diable, vous savez que les bergers utilisaient leurs bâtons pour tuer les serpents, et souvent ils ne touchaient pas les serpents parce que parfois ils faisaient semblant d'être morts, mais ils n'étaient pas morts. Est-ce que aujourd'hui encore il est mortel, le Satan? Et ce serpent qui est sur un poteau, lorsqu'il le regardait, le peuple d'Israël que Moïse avait mis sur un bâton, ils étaient guéris. Lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est là que le serpent a été battu. Ainsi, c'est un symbole. N'importe quel berger, c'est un pays de bergers, n'importe quel berger avait un bâton avec lequel il pouvait tuer les serpents. Est-ce que Adam a dit que vous ne pourrez pas manger de tous les arbres? Le serpent dit, vous ne mourrez point. C'est un meurtrier et c'est un menteur. Est-ce que Dieu avait dit, vous allez mourir? Le serpent dit, mais non, vous n'allez pas vraiment mourir. Et il y a toujours la même erreur aujourd'hui. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Lorsque nous lisons dans Genèse le moyen par lequel le diable a communiqué avec les êtres humains, ça a été le serpent. Et souvent le serpent, dans la Bible, va représenter Satan. Il y a une signification spirituelle à cela. La première prophétie de la Bible, nous allons la voir maintenant, Genèse chapitre 3 et le verset 15. Après que Adam et Ève soient tombés, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, après qu'ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, il y a des gens qui disent que c'était une pomme. Où est-ce qu'il est dit que c'était une pomme? Vous savez, est-ce que vous avez déjà vu le diable qui tenait un ananas ou une banane? Est-ce que vous voyez le diable en train de dire, manger une banane? La Bible ne dit pas que c'est une pomme. C'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et je ne pense pas que si vous mangez une pomme, alors vous savez, on appelle ça la pomme d'Adam, ça, ce que nous avons ici à la gorge. Parce que semble-t-il, ça s'est collé dans sa gorge lorsqu'il l'a mangé la première fois. Mais non, la Bible ne dit pas ça, mes amis. Yeah, nous ne savons pas à quoi ressemblait ce fruit. C'était un arbre, il n'y avait qu'un seul arbre, comme cela dans le jardin. Il y avait deux arbres au milieu du jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Alors, on ne sait pas à quoi cela ressemblait. Alors, dire que ça ressemble à une pomme, c'est un petit peu exagéré de notre part.
Je reviens à ce que je disais. La première prophétie dans la Bible, très importante. Là, Dieu dit, lorsqu'il est en train de prononcer la malédiction contre le péché, en tout cas, Adam et Ève sont morts spirituellement ce jour-là. Ils ont perdu leur éternité ce jour-là. Ils ne pouvaient plus toucher à l'arbre de la vie à partir de ce moment-là. Et ce jour-là, ils ont commencé à mourir. Et le texte dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Ici, il est question de la postérité de la femme. C'est significatif parce que lorsque vous arrivez dans l'Apocalypse, vous voyez cette femme dans Apocalypse chapitre 17, 12, qui est enceinte et qui est dans les douleurs de l'enfantement et que le dragon est là pour essayer de manger l'enfant de cette femme. Ce dragon veut manger la postérité de la femme et cet enfant est enlevé vers le trône de Dieu. Est-ce que le diable a essayé de détruire Jésus quand il était enfant? Satan a essayé de détruire Jésus pour que le salut ne puisse pas avoir lieu. Il y a 7 exemples dans la Bible de femmes qui étaient des femmes stériles et qui voulaient avoir des enfants. Oh, je vais essayer de m'en souvenir. Sarah, Rebecca, elle a eu un bébé. Il y a également Anne. Il y avait la femme Shunammite. Il y a la mère de Samson, qui était stérile. Samson n'était pas enceinte, c'est sa mère. Il y a bien sûr la maman de Jean-Baptiste. La Bible ne dit pas que Marie était stérile. Elle a eu une naissance. Toutes ces femmes ont eu des garçons. Et il y en a 7, c'est intéressant. Et tous ces garçons étaient des types de Jésus-Christ. Abraham a offert son enfant en sacrifice et il l'a récupéré comme une sorte de résurrection. Samuel a été réservé, mis à part comme Jésus. Samson avait ses bras étendus au moment où il est mort, comme Jésus avait ses bras étendus. Vous pouvez voir que ces postérités de la femme étaient véritablement des types du Christ. C'est Jésus et le fruit de la femme, la postérité de la femme. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 17? Et le dragon fut irrité contre la femme. Qu'est-ce que la femme représente dans la prophétie? L'Église. Est-ce que le diable essaye d'aller contre l'Église? Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est un autre terme. Le diable est particulièrement irrité contre l'Église qui garde la parole de Dieu. Et il fait la guerre contre elle, celle qui a l'esprit de prophétie, la parole de Dieu. Et à travers toute la Bible, nous constatons que le diable est représenté par le serpent. Marc chapitre 16, verset 18, où Jésus dit, « Ils prendront des serpents. » Combien d'entre vous demandent à vos membres d'Église de prendre des serpents entre mains? C'est un symbole qui, lorsque Paul a été mordu par un serpent, il a secoué son bras. Voilà de quoi il est question. Vous allez marcher sur les serpents. Numéro 9. Pourquoi est-ce que manger de ce fruit était une offense si grave? Pourquoi Adam et Ève ont été enlevés du jardin? La réponse est simple, Jean 3, verset 8, celui qui pêche est du diable. Et nous pouvons lire dans Romains 6, verset 16, vous ne savez pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort. Si nous sommes toujours en train d'écouter aux tentations de diable et que nous disons que nous appartenons à Christ, mais nous sommes en réalité des esclaves de Satan. Jésus est venu pour nous libérer, il veut vous sauver de l'esclavage. Toute l'histoire de la Bible est une histoire où Dieu a voulu sauver depuis les origines l'homme du péché, de l'esclavage. Déjà dans le Moïse, à l'époque donc de Pharaon. Question numéro 10. Quelles sont certaines des méthodes de Satan pour faire du mal, pour tromper, pour décourager, pour détruire le peuple? Et
Nous allons aller à travers quelques-uns de ces points très rapidement. Premièrement, Satan, qui trompe le monde entier. Quelle partie du monde trompe-t-il? Est-ce que cela signifie que chacun d'entre nous, est-ce que cela signifie que chaque église qui suit la Bible, vraiment suit la Bible? Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont chrétiens, il y a beaucoup d'églises qui croient qu'elles suivent la Bible et qui sont des églises qui trompent les gens. Levez la main si vous en connaissez. Vous voyez, il y en a beaucoup. Où est-ce que nous allons trouver la réponse? La Bible dit, et nous allons l'étudier ensemble, quelques-unes de ces tactiques du démon. Et il a été pendant 40 jours dans le désert où il a été tenté par Satan. Bien sûr, Satan manipule et il contrôle les gens. Comment est-ce qu'une personne peut devenir spirituelle? La réponse C, ce sont des esprits de démons qui font ces miracles, des prodiges. Vous savez, le diable se transforme, par exemple, dans 2 Corinthiens 11, versets 14 à 15, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise. Comment? Est-ce que le diable n'était pas un ange magnifique? Est-ce qu'il pourrait se tromper, nous tromper en prenant une forme d'un ministre de l'Évangile? C'est pour ça que je ne suis pas beau, c'est pour que vous n'ayez aucun doute. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous avec des vêtements de brebis, mais qui en réalité sont des loups ravisseurs à l'intérieur. Apocalypse chapitre 13, il est question de la bête, il fait des prodiges jusqu'à même faire descendre du feu du ciel sur la terre. Est-ce que le diable peut faire des miracles de ce genre? Combien d'entre vous se souviennent de l'histoire dans la Bible lorsque Moïse est devenu le pharaon et l'un des signes qu'il a donné, il a jeté son bâton par terre, qui est devenu un serpent, et il a pu prendre ce serpent et le retransformer en un bâton. En d'autres mots, il montrait que Dieu lui a donné la puissance pour détruire le diable. Mais qu'est-ce qu'ont fait les sorciers de Pharaon? Eh bien, ils ont jeté leur bâton et ils ont imité le même miracle. Est-ce que le diable peut faire des contrefaçons des miracles de Dieu? Oui. Ce n'est pas parce qu'on est un prédicateur et qu'on fait des miracles que l'on est vraiment un pasteur authentique. Oh, soyons très prudents. Je crois dans les miracles, hein, c'est dans la Bible. Comme je crois dans la Bible, je crois dans les miracles, je crois dans la puissance miraculeuse de Dieu, je crois dans la guérison, mais je crois aussi que le diable peut imiter cela. Il est accusé, il est appelé l'accusateur de nos frères. Apocalypse 12, verset 10. Il a accusé Josué, le grand prêtre, dans le livre. Josué, le grand prêtre, dans le livre de Zacharie. Et il est l'accusateur des frères, jour et nuit. Réponse numéro E. Il est un meurtrier dès le commencement. Et il est un menteur. Le meurtrier, on le retrouve dans le comportement de Caïn par rapport à Abel. Numéro 11. Quelle est l'efficacité et la puissance des tentations de Satan et ses stratégies? La Bible est très claire là-dessus. Il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Jésus nous avertit d'être sur nos gardes parce que la Bible le dit. Nous ne devons pas croire que notre salut se trouve dans notre propre force. Notre salut ne se trouve que dans la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ. Ne manquons pas cela. Quelle que soit l'information que vous assimilez dans ce séminaire, les informations ne vont pas vous sauver. C'est votre relation avec Jésus. Certaines personnes viennent parce que, oui, ils sont curieux, ils ont envie de savoir quels sont les faits, ils veulent savoir quelle est la marque de la bête, quelle est, etc. Ils veulent connaître toute cette chronologie et là, ils sont préparés. Non, mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, ça ne sert absolument à rien parce que le Saint-Esprit vous donne la possibilité de discerner et ça vous permet de savoir quelle est la vérité et l'erreur. Et nous apprend aussi dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, soyez sobre, veillez quand votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
C'est un prédateur. Il est en train de chercher qui il va dévorer. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on utilise... Vous savez, même les lions utilisent la tromperie pour prendre la ruse pour prendre leur proie. Je voudrais passer rapidement sur quelque chose. Premièrement, vous avez la tentation des yeux, 1 Jean chapitre 2, verset 15, vous avez ces trois tentations. N'aimez pas les choses qui sont dans le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car ce qui est dans le monde, la luxure des yeux, ces trois éléments qui sont présentés dans ce verset, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Lorsque Adam et Ève sont tombés, ils sont tombés sur ces trois niveaux. C'est pour ça que c'est important pour Jésus. Lorsque vous êtes tenté, vous pouvez penser, oh, Jésus n'a pas eu à faire avec les tentations que je connais. Mais en réalité, toutes les tentations se trouvent dans l'un de ces trois niveaux que l'on retrouve dans l'épître de Jean. En fait, Jésus a remporté la victoire sur chacune de ces catégories de tentations. Vous savez, il a envoyé des messages, dans chacune des messages de Jésus, dans chaque église et dans chaque situation, Jésus dit celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra. Vous savez pourquoi? Parce que c'est possible à travers Christ pour vous de remporter la victoire. Il y a une déclaration populaire et qu'il s'agit de croire que Jésus nous a lavé de nos péchés et que nous sommes sauvés. Mais il est venu nous libérer de la puissance du péché. Qui d'entre vous croit cela? Si vous ne croyez pas cela, je crois que Dieu est plus puissant que le diable. Si vous ne le croyez pas, réfléchissez à cela. Cela signifie essentiellement que vous croyez que le diable est plus puissant que Jésus dans sa capacité de nous délivrer. En fait, vous êtes en train de dire que le diable est plus fort que Dieu. Ne croyez pas cela. N'ayez pas des excuses pour le péché. Lorsque Jésus était dans ce monde, il y a eu trois tentations primaires. La première, le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, permets que ces pains que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dès le début, Jésus va répondre, la parole de Dieu, c'est notre outil principal. Ta parole est écrite dans mon cœur afin que je ne pêche pas. Vous allez connaître ces versets avec ces textes. Vous allez voir des victoires dans votre vie. Je vais faire une prédiction ce soir. Vous allez avoir des victoires dans votre vie sur le péché. Le Saint-Esprit travaille sur vous. Et le rôle du Saint-Esprit est de nous sauver dans notre nature de péché. L'objectif de la prophétie, c'est de nous sauver. Et à travers la parole de Dieu, vous allez trouver la puissance pour pouvoir remporter la victoire. La deuxième tentation, le diable l'emmena sur la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Là, c'est le diable maintenant qui cite la Bible. Vous savez, la Bible, le diable connaît la Bible mieux que vous, mieux que moi. C'est juste. Certaines personnes, oh, je suis un bon chrétien, j'ai 6 Bibles à la maison. Est-ce que vous les lisez? Non, mais je dors avec l'une de ces Bibles sous mon oreiller. Et beaucoup de chrétiens croient que s'ils n'ont pas leur Bible sous le bras lorsqu'ils vont à l'église, ils ne sont pas de bons chrétiens. Il n'est pas dit, ta parole, je la serre sous mon bras afin de ne pas pécher contre toi. C'est dans mon cœur. Alors, il y a cette Bible qui est là sur une table. Et sa Bible a été toujours là. Maman, qu'est-ce que c'est que ce livre qui est là sur la table? Ah, et sa maman dit, oh, c'est la parole de Dieu? Tu ne penses pas qu'on devrait le rendre à Dieu? On n'est pas en train de l'utiliser tous les jours. Et vous savez, c'est vrai dans beaucoup de familles, malheureusement. Alors le diable est en train de citer la Bible maintenant. Il est écrit, les anges te porteront sur les mains de peur que tu ne pieds ne heurtes contre des pierres. Vous savez, il n'a pas donné tout le verset. Hein? C'est un menteur. Il va donner une partie du verset. Il donne une fausse impression.
Et Jésus répond, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il va lui répondre à la part l'Écriture également. Troisième tentation, Matthieu chapitre 4, verset 8. Le diable l'emporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il n'a pas montré les bidonvilles, il lui a montré la beauté des villes. Pourquoi est-ce que Jésus appelle le démon le prince de ce monde? Parce qu'il a kidnappé notre planète. Jésus est venu payer la rançon pour celui qui a kidnappé notre terre. Et ce royaume est à moi, et Satan est en train de lui dire, mais tu n'as pas besoin de mourir. Ce royaume est à moi, je te le donne. En passant, lorsque le diable est apparu à Jésus pour le tenter, vous croyez qu'il s'est jeté sur la terre comme ça, et puis avec ses grands ailes de temps, oh, je suis venu pour te tenter. Non, il ressemblait à un ange de lumière quand il est venu vers Jésus. Il dit, je te donnerai tout cela si tu m'adores. Cela vous dit, cela vous montre ce que le diable veut. Je crois que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Jésus est Dieu le Fils. Je crois cela. Le diable voudrait être Dieu. Et cela, et Satan dit, écoute, si tu m'adores, je veux être Dieu, dit Satan. Et Jésus dit, cela ne s'arrivera jamais, je suis Dieu. Alors, Satan, reste derrière moi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Jésus aurait pu lui donner un coup de poing entre les yeux, mais il ne l'a pas fait. Vous savez ce qu'il a dit? Il a battu le diable avec les Écritures. Et c'est la meilleure arme, la plus efficace pour combattre contre Satan. La meilleure chose que vous pourrez sortir de ce séminaire, développer votre connaissance de la Bible par la lecture systématique et régulière de votre Bible. Et j'écoute des textes bibliques qui sont enregistrés, je lis la Bible, j'essaye de me remplir de cette parole de Dieu. Vous savez, il y a tant de distractions dans ce monde aujourd'hui, et particulièrement dans notre génération. Je suis bombardé par toutes sortes de messages, vous et moi, et nous avons besoin de contrecarrer cette information qui est en train de détruire nos sens, et nous avons besoin de lire plus que jamais la parole de Dieu. Et nous avons besoin le plus, et le Seigneur nous donne aujourd'hui aussi la possibilité de lire la Bible. Vous pouvez le lire sur Internet, vous pouvez le lire de différentes manières. La Bible nous dit, portez l'armure, afin que nous puissions tenir ferme contre les ruses du diable. Est-ce que nous pouvons nous battre contre le diable? Vous savez, il y a des gens qui ont voulu chasser des démons sans connaître la puissance de Jésus, et qu'ont fait ces démons? Eh bien, il y avait sept fils qui avaient l'habitude de faire cela. Et le démon a dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais je ne vous connais pas. Et il les a tapés au point qu'ils se sont retrouvés tout nus, s'enfuyant pour leur vie. Nous n'allons pas nous battre contre la chair et le sang, n'est-ce pas? L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, c'est notre arme défensive première contre le diable. Continuons d'avancer. Il est ici, car les paroles de Dieu est puissante, comme efficace, plus entranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Nous devons nous soumettre à Dieu et résister au diable. Est-ce que nous pouvons résister au diable? Vous voyez, si vous laissez le Seigneur entrer en vous, il est la lumière, et la lumière va chasser les ténèbres. Comment est-ce que vous pouvez enlever l'obscurité de la chambre? Est-ce que vous passez l'aspirateur? Non, vous mettez une lumière. Et lorsque vous soumettez à Dieu et que vous laissez le Seigneur entrer dans votre vie, eh bien sa lumière sera là, et ça chassera les ténèbres de Satan, et vous aurez la victoire. Quels que soient vos problèmes, quels que soient vos péchés, cela pourrait être n'importe quoi dans votre vie, une relation amoureuse, illicite, une drogue quelconque, eh bien le Seigneur, soumettez-vous à Dieu et résistez au début. Est-ce que nous avons une part à faire en résistant? Oui, bien sûr. Dieu vous donne la capacité d'avoir sa puissance pour résister au diable. Le diable ne veut pas que vous le sachiez. Grand est celui qui est en vous que celui qui est dans ce monde, dit Jacques chapitre 4. Question numéro 12.
Où et quand le diable va recevoir sa punition et quelle sera cette punition? La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 25, verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et vous pouvez lire dans Ézéchiel chapitre 28, je te fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Numéro 13. Qu'est-ce qui, pour toujours, résoudra définitivement l'horrible problème du péché? Pourquoi le péché n'existera pas à nouveau une deuxième fois? Eh bien, voyons dans Nahum, chapitre 1er. Voici ce qu'il est dit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Pourquoi? Parce que le seul signe du péché dans le ciel, vous savez ce que c'est? Lorsque Jésus s'est réveillé des morts, est-ce qu'il avait ses marques dans ses mains? Dans l'éternité, il les gardera. Il y aura ce rappel permanent, ce que l'amour a coûté à Dieu et ce que le péché a coûté à Dieu. Vous savez, il n'y a que deux chemins, le chemin de la vie et de la mort. Vous pouvez aimer Dieu ou vous aimez vous-même. Il n'y a que deux chemins, et ces deux chemins sont là, l'amour de Dieu ou l'amour de soi-même. Eh bien, lorsque, tout au long de l'éternité, vous savez, ces éléments resteront pour l'éternité dans les mains de Jésus. Vous savez, pendant la plaie bubonique, on ne connaissait aucune... On ne connaissait pas de remède à cela, mais il existe, et aujourd'hui nous le savons, un antidote. Eh bien, il aurait fallu prendre une transfusion de quelqu'un qui avait été touché par la peste bubonique et qui avait développé des anticorps contre cela. C'est la seule espérance que nous avons, que le Seigneur nous transfuse son sang. Et dans Zacharie, chapitre 13, verset 6, il est dit, « D'où viennent ces blessures que tu as aux mains ?» Personne n'ira au ciel sans le sacrifice de Jésus. C'est celui qui a rendu possible le salut. Question 14. Qui va éradiquer complètement à la fin le péché de l'univers? Qu'est-ce que nous dit 1 Jean chapitre 3 verset 8? Celui qui pêche est du diable. Quand le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il n'y aura plus de tentation. Et dans Hébreux chapitre 2 verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qu'est-ce qui va se passer pour le diable? Eh bien, il sera détruit et il sera jeté dans l'étang de feu. Vous pouvez dire amen à cela. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire? Numéro 15. Comment est-ce que Dieu le Père se sent par rapport aux êtres humains? Jésus dit, le Père lui-même vous aime. Vous croyez que vous pouvez mettre votre vie entre les mains d'un Dieu comme celui-là? Il n'y a que deux maîtres, il n'y a que deux chemins. Et nous connaissons l'Écriture, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deux maîtres, deux directions, deux chemins, celle qui mène vers la perdition ou vers la vie éternelle. Est-ce que vous pouvez mettre votre vie entre les mains de Jésus? Je voudrais écouter le chant de John. Et ensuite, j'aurai quelque chose à partager avec vous avant que l'on prie. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know, thus said the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus,
precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I heard this story. A little boy in Florida. Un petit garçon en Floride qui est allé nager. Sa maman était en train de regarder depuis la fenêtre de la cuisine. Et voilà que tout d'un coup, elle se rend compte qu'il y avait un alligator qui était rentré dans ce canal. La mère a vu alors que l'enfant était au milieu de l'eau. Et il voyait l'alligator et son fils qui allaient l'un vers l'autre. La mère est sortie en criant, « Un alligator, nage vite vers la plage !» Et au moment où il arrivait au bord de la plage, eh bien, l'alligator a pris ses jambes. Vous savez, l'alligator entraîne sa victime sous l'eau et la noie. Et la mère est arrivée juste à temps pour prendre les mains de l'enfant, pour tirer d'un côté. Alors l'alligator tirait d'un côté et la mère tirait de l'autre côté. Elle hurlait de toutes ses forces, au secours Et le gamin était en train de hurler, il était tiré d'un côté par l'alligator et de l'autre côté par sa mère. Un fermier à côté a entendu ce qui était en train de se passer, il a pris son fusil, et il a couru et il a tué l'alligator. Alors on a emmené l'enfant à l'hôpital, ses jambes étaient vraiment broyées, c'était dans un état lamentable. Et les reporters de journal local sont venus pour lui parler de ses cicatrices et lui a demandé quelles sont tes cicatrices. Et ensuite, ce petit garçon a souri en disant, « Mais je n'ai pas seulement des cicatrices sur les jambes, j'ai des cicatrices sur ma main parce que ma mère n'a pas voulu me lâcher. Le diable désire nous détruire, mais Jésus ne veut pas nous lâcher. » Mes amis, gardez votre main dans la main de Jésus. Mais vous savez, c'est le seul qui pourra nous tenir. Est-ce que vous voulez vraiment lui faire confiance? Il n'y a que deux choix, l'amour de Dieu et l'amour du diable ou l'amour du monde. J'aimerais voir vos mains. Qui sont ceux qui disent « Je voudrais faire confiance à Dieu ce soir ». Voulez-vous prier maintenant, vous-même qui m'écoutez là où vous êtes, prenez également cette décision, Père dans le ciel. Nous sommes si reconnaissants pour cette bonne nouvelle que celui qui est dans le ciel est plus grand que celui qui essaye de nous tenter. Garde-nous du diable. Nous savons que sans Jésus, nous ne pouvons rien, mais nous savons que nous pouvons tout faire en Jésus-Christ Seigneur. Nous aimerions nous consacrer à toi. Entre dans nos cœurs, que tu nous donnes la puissance, la lumière du Christ pour résister à l'ennemi. Tu as promis que celui qui compte sur toi, tu répondras. Seigneur, le diable ne veut pas que ces personnes reviennent à cette conférence. Seigneur, ramène-les, ramène leurs amis, car Jésus revient bientôt et nous voulons être prêts pour cela. Bénis-nous, Seigneur. Aide-nous à connaître ta parole de mieux en mieux, afin que nous puissions rejeter les attaques du diable. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Mes amis, avant que vous partiez, une chose importante, tous les soirs, nous nous sommes réunis. Alors, on va avoir un soir de libre, n'est-ce pas? Alors, ne m'oubliez pas d'ici mardi. Hein, je suis venu de la Californie, ici à Washington, et vous qui êtes là, aux uns et aux autres, dans tout, s'il y a encore de la place, amenez vos amis. Et nous avons un quart ici à Silver Spring, et vous emmenez vos amis parce que Jésus revient bientôt. Et cela pourrait vraiment faire une différence entre la vie et la mort pour de plus, nos études de la prochaine leçon, une prophétie que nous trouvons dans Apocalypse 4 et 5, un sujet intéressant, le sang sur le trône. Alors, mardi prochain, nous allons parler de cet agneau qui a été immolé dans l'Apocalypse. Et c'est une des plus belles prophéties que l'on retrouve, parle de ce sujet. Alors, ce n'est pas trop tard, amenez vos amis également, que Dieu vous bénisse ce soir. On vous revoit quand? Mardi soir. Mardi soir, merci. Je vais sortir dans quelques minutes et je serai à la porte pour vous saluer.
This program was brought to you by the Hope Channel Networks. Thanks to the generous support of viewers like you. The following program is presented to you by the Hope Channel Networks. Ancient texts, cryptic numbers, symbolic imagery depicting awesome apocalyptic events. For many, the Bible and its prophecies seem shrouded in mystery. Words like Armageddon and tribulation frighten millions, while others wonder how to avoid the mark of the beast or being left behind when the Lord returns. Can we understand the Bible? Yes. And Jesus holds your key to unlock a future without fear. Join us now as Amazing Facts presents The Prophecy Code with Doug Batchelor. Today's study, The Dragon's Egg. Bonsoir, chers amis. Si vous nous rejoignez des États-Unis ou de quelque part ailleurs, nous vous souhaitons la bienvenue. C'est vraiment quelque chose de réel, le code prophétique. Et je voudrais vous dire que si vous êtes avec nous pour la première fois, d'aller vers notre site prophecycode.org et vous pouvez poser des questions et vous pouvez avoir également des résumés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et ainsi nous serons ce qui se passe de votre côté. Si vous êtes dans une église, dans un auditorium, quelque part, dans un gymnase, eh bien, envoyez-nous des images sur ce site et nous serions heureux de pouvoir les montrer ici sur nos écrans. Et c'est très agréable de savoir ce qui se passe dans les différents sites soir après soir. Nous voulons vous encourager tous à inviter vos amis et vos voisins à incliner leur tête maintenant alors que nous demandons la présence du Seigneur d'être avec nous ce soir. Prions. Père Céleste, celui qui connaît le passé, le présent et le futur, nous te demandons d'être avec nous ce soir. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons faire quoi que ce soit. Même la sagesse des hommes, Père, n'est que folie à tes yeux. Et nous demandons que ton Saint-Esprit soit dans ce lieu ce soir et que nous puissions, chacun d'entre nous qui sommes ici ou quelque part dans un des sites, que nous puissions sentir ta présence, que nos esprits soient ouverts et que nous puissions nous laisser conduire par ton esprit, que tu sois glorifié. Alors que nous nous préparons pour ton retour, nous le prions au nom de Jésus. Amen. Mes amis, pourquoi est-ce que vous ne vous levez pas ce soir alors que nous allons chanter notre chant thème? Et je voudrais également saluer tout le monde francophone de la part de votre serviteur José Élisée.
Un bonjour spécial à nos amis du Québec. Jesus will come on time. Yes, he will come on time. Doubters may talk as scoffers mock, babbling without rhyme or reason. His promises are true. He will remember you. The clock of prophecy will chime. Up Jacob's ladder we will climb, in brilliant glory so sublime. Our God will come on time. Yes, Jesus will come on time. And while you're being seated, greet your neighbor, smile, and tell them good to see you. Tournez-vous vers votre voisin, souriez, et puis dites-leur que vous avez du plaisir à les rencontrer. Saluez-vous les uns les autres. And now while you're seated, join me tonight. Alors, as we welcome vous allez vous asseoir maintenant, eh bien, joignez-vous à moi pour saluer l'arrivée du pasteur Doug Batchelor, le présentateur des émissions Amazing Facts. Bonsoir, John, et merci. Bonsoir. Alors, nous sommes à notre vitesse de croisière. Nous sommes à la troisième rencontre parlant du code prophétique. Et cela va révolutionner votre vie. Je voudrais dire bonjour à nos amis qui sont dans le monde entier et qui nous regardent. John et moi, nous aimerions être en relation avec vous, avoir une synergie avec vous, savoir qui est là. Vous pouvez nous voir, mais nous aimerions vous voir également. Alors, ceux d'entre vous qui techniquement peuvent prendre des photos digitales et vous faites un grand coucou à nous. Et vous pouvez envoyer cela par Internet. Regardez sur et quand on vous verra sur l'écran, eh bien, on pourra vous faire coucou nous aussi. Il y a 1900 places, sites, simplement en or, en Amérique du Nord. Et nous ne sommes pas en train de compter les gens qui nous regardent, par exemple, sur Internet. Et Hope Channel, 3BN, qui retransmettent cela en Amérique du Sud également, c'est retransmis, et d'autres le font de manière indépendante. C'est absolument extraordinaire de savoir que beaucoup de monde sont là. J'espère que vous êtes en train de prier pour moi, vous savez. Quand je me dis, ça ne vous rendrait pas nerveux, vous, de savoir qu'il y a tant de personnes qui vous regardent, alors j'ai besoin de vos prières. Mais nous vous aimerions également répondre à vos questions. Ce que nous faisons lorsque les questions arrivent, vous les envoyez par email à prophecy.com. Nous essayons de prendre quelques-unes de ces questions. Beaucoup de questions viennent sur le même sujet, alors nous essayons de répondre autant que possible aux questions et je voudrais que la merveilleuse Madame Batchelor vienne pour ouvrir avec nous cette clé et nous permettre de répondre à ces questions. Vous savez, il y a quelques minutes avant de monter sur cette estrade, eh bien, mon épouse m'a lu ces questions. Alors, on va juste regarder ces questions. Bonsoir, Madame Batchelor. Est-ce que c'est toi qui m'as acheté ce costume? Tu sais, juste avant que je l'attache, je me suis rendu compte que, est-ce que c'est un costume croisé? Ou bien est-ce que... Enfin, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. Bon, très bien. C'était un jour magnifique aujourd'hui. La première question est celle-ci. Est-ce que la prophétie biblique concerne les États-Unis d'Amérique? C'est une des questions où nous allons répondre en disant un peu de patience parce que nous avons une soirée où nous allons aborder ce sujet spécifiquement. Et ça ne devrait pas vous surprendre lorsque vous considérez l'impact incroyable que les États-Unis ont actuellement sur le monde. Comment est-ce qu'il est sorti d'une petite colonie à une puissance mondiale extraordinaire de nos jours? J'ai appris dans le livre, j'ai connu l'amour de Jésus à travers la Bible. Satan est vivant et présent sur la terre. Actuellement, Al Lindsay a reconnu publiquement qu'il avait écrit du faux matériel et je l'ai entendu de mes propres oreilles. Je prie à ce que cela n'ait pas de répercussions. Je ne m'attends pas à ce que Al Lindsay dise quelque chose de plus sur ce sujet, mais c'est une excellente opportunité d'expliquer la différence entre le vrai et le faux.
Vous savez, je ne remets pas la question, en question la sincérité de quelqu'un lorsqu'il est en recherche. Vous savez, les disciples ont cru en Jésus et ils se sont trompés. Étaient-ils sincères? Est-ce qu'ils se sont trompés sur leur interprétation de la prophétie, sur la première venue de Jésus? Est-ce que cela fait de moins bons chrétiens parce qu'ils n'avaient pas la bonne interprétation? Vous savez, ils ont été très, très découragés. Jésus a dit que ça allait se passer, ils le savaient, et pourtant, ils se sont découragés. Cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas de bons chrétiens. Alors, vous savez, il y a des gens qui auront une mauvaise interprétation de la prophétie biblique, mais cela ne signifie pas que ce sont de mauvais chrétiens pour autant. Vous savez, ils ont mal compris les prophéties par rapport à Jésus. Jésus leur dit, je vais être à Jérusalem, je serai trahi, je serai crucifié, je vais me ressusciter le troisième jour. Et, vous savez, ils ne l'ont pas enregistré, en fait. Quels sont les textes bibliques qui soutiennent le fait que le peuple de Dieu va passer par la tribulation avant l'enlèvement? Eh bien, acte 14, verset 22, Paul dit, je vais... Vous savez, je vais vous dire une chose, hein, si vous commencez, je n'ai pas la mémoire des textes, où est-ce qu'ils se trouvent. Si vous me demandez les versets et les chapitres, je ne les connais pas. Mais si vous commencez un verset, je saurai toujours le terminer. C'est à travers la tribulation que nous entrerons dans le royaume de Dieu, dit Paul, et dans Matthieu 24, verset 9, Jésus dit, je crois que j'ai écrit ce verset-là, ensuite, vous serez délivré de la tribulation. Vous serez livré à la tribulation et ils vous mettront à mort et ils vous haïront et vous serez haï par toutes les nations et à cause de mon nom. Et cela avant que la tribulation ait lieu. Vous savez, il y a un livre que j'ai écrit et qui a pour titre Tout sauf quelque chose de secret. Et si vous allez sur le site web, vous allez trouver ce livre. C'est un livre qui est gratuit sur l'Internet. Et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24, verset 30. Qu'est-ce que ces nuages représentent, ces nuées? Bonne question. Jésus ne vient pas en étant sur une vapeur de H2O ou sur de la vapeur. Mais en fait, il y a une multitude de créatures qui l'accompagnent. Vous savez, plusieurs textes parlent d'une nuée d'anges. Et lorsqu'il a quitté cette terre, il est parti avec ses anges et il reviendra avec ses anges. Il viendra avec tous ses saints anges. Lorsque des milliers d'anges sont autour de Jésus, à quoi cela va ressembler? Eh bien, ce sera comme un nuage. Parfois, il est question de chariots de feu, par exemple, par rapport à Élie, mais ce sont toujours des anges qui sont représentés. Et nous serons emportés par ces anges. Ainsi, il arrivera avec des nuages d'anges. Alors, dans acte 1, il est dit, il reviendra comme il est parti. Ben, je connais le verset, mais je ne me rappelle pas de la référence. Si Dieu est amour, pourquoi a-t-il créé un diable? Ce soir, nous allons répondre à cette question, mais Dieu n'a pas créé un diable. Est-ce que Dieu va sauver les hommes sans qu'ils aient entendu parler de l'Évangile? Il y aura des gens dans Romains chapitre 1, Paul dit qu'ils ont l'Évangile écrit dans leur cœur et les gens ont le droit de dire oui et qui n'ont pas eu la possibilité de dire non à l'Évangile, ils seront au ciel. Il y avait beaucoup de lépreux, dit-il, à l'époque d'Élie, dit Jésus, et pourtant personne n'a été guéri si ce n'est le Syrien Naaman. Au jour de la famine d'Élie, il n'y a que vers la femme, la veuve, que Élie a été envoyé. Ainsi, il y a des gens qui sont du royaume de Dieu, mais qui ne sont pas de votre peuple, dit-il, au peuple juif de son époque. Ainsi, il sera demandé à beaucoup à celui qui aura beaucoup reçu, dit l'Écriture.
Nous sommes plus coupables lorsque nous connaissons la volonté de Dieu et que nous ne la mettons pas en pratique. Comment recommandez-vous que je commence à étudier la Bible? Très bonne question. Lorsque j'ai commencé à étudier, c'était la version du roi James. Alors, vous savez, j'étais dans une caverne et il n'y avait personne pour m'expliquer. Lorsque je voyais le mot « brethren », c'est-à-dire « frère » dans la Bible, je croyais qu'il était quelque chose qui voulait dire que tout le monde respirait ensemble, « breathing together ». J'ai commencé à lire la Genèse. Vous savez, lorsque vous lisez le livre de la Genèse, je ne savais pas quel est le pourcentage, mais une grande partie de la Bible est enracinée dans le livre de la Genèse. Lisez la Genèse, vous allez avoir l'arrière-plan de l'histoire de l'humanité. Ensuite, vous pouvez lire Samuel 1 et 2, Rois 1 et 2. Ça vous donne l'histoire de la Bible. C'est ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous avez les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est ce qui a changé ma vie lorsque j'ai lu les évangiles. Vous savez, quelqu'un dira, étudiez la Bible comme lorsque vous cueillez des pommes. D'abord, vous secouez l'arbre. Ensuite, vous secouez une branche en particulier. Ensuite, vous continuez en allant chercher derrière les feuilles. Eh bien, vous pouvez d'abord avoir le grand panorama et ensuite, vous allez dans le détail. Je pense que le Saint-Esprit vous accompagne. Priez avant de lire sa Bible afin que le Saint-Esprit nous conduise. Dieu nous dit, on se souviendra des paroles qu'il nous a dites, elles nous reviendront lorsque ce sera nécessaire. Elle nous donnera la force de pouvoir les mémoriser. Est-ce que tu connais la référence de ce texte? Oh non, je suis comme toi. Gardez présent à l'esprit que la Bible, quelle que soit la traduction que vous avez, Dieu parle toutes les langues de cette terre. Et la raison pour laquelle nous faisons cette rencontre, c'est pour mettre à chacun de comprendre le langage de la Bible. Lorsqu'un bébé entend une langue, il ne comprend pas tout ce que vous êtes en train de dire, mais plus il vous entend parler, plus il comprend et il finit par parler la langue lui-même. Alors continuez de lire la parole de Dieu et le Seigneur viendra à vous. Plus vous entendrez profondément dans la parole de Dieu, comparez l'écriture à l'écriture, et ensuite vous pouvez utiliser des dictionnaires, etc. Très bien. D'où viennent les différentes races? Très souvent, je reçois cette question. Il y a des gens qui croient que Noé avait trois enfants, que c'était les trois races de base. Ce serait très étrange. Selon la Bible, les races ne sont pas venues de Noé, mais elles sont venues de la tour de Babel. Vous savez, on est tous descendants d'Adam. Qui sont ceux qui ne sont pas descendants d'Adam ici? À partir de Noé, bien sûr, nous sommes tous des descendants de Noé. Lorsque, à la tour de Babel, Dieu a confondu les langages, les hommes se sont répandus sur toute la terre et génétiquement, eh bien, plusieurs tendances se sont développées en fonction de la situation géographique de ces personnes. Pourquoi est-ce que certains chiffres apparaissent si souvent dans la Bible? Vous savez, il y a des significations spirituelles à chiffres. Vous savez, 40 ans dans le désert, le chiffre 7, par exemple, représente un cycle complet. La perfection 12, c'est le chiffre de l'Église et pour la direction de l'Église. Apocalypse chapitre 12, une femme avec 12 étoiles sur sa tête, et bien la ville avec 12 portes, avec 12 portes, etc. 144. 1000, c'est 12 fois 12, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez, ce sont des chiffres. Vous savez, certaines personnes ont dit qu'ils ont eu la peine à trouver le site que nous avons proposé pour les clés. Eh bien, on va vérifier cela et mettre de l'ordre dans cette affaire-là. Apocalypse 3, verset 21. À celui qui vaincra, je lui donnerai une place avec moi sur mon trône.